Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Mercato TV. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Le FC Barcelone a débuté la saison 2024-2025 de la Ligue des Champions par une défaite douloureuse contre l'AS Monaco. Ce match, perdu 1-2, soulève de nombreuses questions sur la performance de l'équipe, notamment sur celle de Marc-André Ter Stegen. Décrit par les médias comme ayant commis une erreur fatale. Cette performance a mis le Barça dans une position précaire dès le début de la compétition. Un ballon mal relancé qui a mené à une expulsion précoce. Un manque de communication avec sa défense, entraînant des opportunités pour Monaco. L'expulsion d'Eric Garcia à la 10e minute a largement influencé le déroulement du match. Malgré l'égalisation surprenante de Lamine Yamal après le premier but du match marqué par les Monégasques, le Barça n'a pas pu gérer le match. Mundo Deportivo a estimé que la défaite était clairement attribuable aux erreurs de Ter Stegen. Cette défaite a des répercussions sur la saison entière du FC Barcelone. En perdant le premier match, l'équipe devra maintenant se battre pour rattraper le retard dans un groupe compétitif. Chaque point compte, et une petite erreur peut s'avérer coûteuse. Leçon à tirer pour l'équipe et le coach. Renforcer la communication entre le gardien et la défense. Travailler sur des scénarios de pression pour éviter les erreurs sous pression. En conclusion, il est essentiel que le FC Barcelone tire des leçons de cette rencontre. Les performances doivent être analysées en profondeur pour éviter de répéter ces erreurs lors des prochains matchs. La route sera difficile, mais avec des ajustements et une meilleure préparation, le Barça peut encore réussir cette saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune actualité sur le monde du football. À bientôt.